Bonjour les filles, bienvenue dans ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un look plutôt avec les deux pigments de la palette Bad Girl de Sleek. Les pigments sont Rebelle et Twilight. Et donc voilà, rien de spécial à part ça. J'ai utilisé un blush de Shirk. C'est une marque anglaise qui s'appelle SLO. Et donc voilà, je l'avais acheté au marché, comme vous pouvez le voir, en Angleterre, à 2 livres. Donc voilà, c'est un blush que j'adore. Il est très joli. Bon, bien sûr, comme d'habitude, je casse mes blushs. Donc du coup, vous pouvez juger à son état. Il est un peu... il est cassé, quoi. Il est cassé, donc... Mais bon, je l'aime quand même et je le garde. C'est un pigment de la marque Pure numéro 9. Un pigment rose, donc le boîtier est comme ça, et bien sûr je l'ai encore cassé, donc je l'ai scotché. Je suis pas du tout douée avec les maquillages, enfin avec les boîtiers de maquillage, je sais pas. En plus j'ai passé une commande chez Sleek pour avoir les Eye Dust de Miami et de New York, donc ils vont bientôt arriver, je les attends avec impatience. Donc voilà, et bah écoutez, je vais vous laisser et avec ce tuto. Et donc, bien sûr, laissez-moi des commentaires ou des suggestions. Donc cette fois-ci, bien sûr, j'ai mis moins de blush et j'ai mis mon pinceau bien à plat pour me maquiller. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Je fais de gros bisous les filles. Bisous. Commencez par celui-ci, sur la paupière mobile. Et celui-ci, sur la paupière supérieure immobile. Ensuite, je vais prendre un pigment de la marque Pure, un pigment rose numéro 9. Je prends mon pinceau mousse de LF et je vais l'appliquer sur la paupière inférieure. Donc voilà, à présent je vais appliquer mon eyeliner.
you love me, girl, why don't you? If it feels good, why don't you? If you love me, girl, why don't you? Like that beat. You do?